Personne n'était au courant. Ces derniers mois ont été extrêmement difficiles pour Charlène de Monaco, qui a traversé un état de santé délicat qui l'a éloigné de son mari le prince Albert et de leurs enfants, les jumeaux de 6 ans Jamie et Gabriella. Son état délicat contraint Charlène de Monaco à se tenir à l'écart de ses engagements professionnels au sein de la principauté. En 2006, l'ancien nageur tombe profondément amoureux du prince Albert et, en juin 2010, ils annoncent officiellement leur fiançailles. Contrairement à d'autres personnalités royales, la princesse de Monaco a toujours donné la priorité à ses enfants et a consacré une grande partie de son temps à la parentalité. Dès le début, Charlène a mis des conditions à son agenda institutionnel pour jouir de la liberté, malgré la pression constante des membres de la royauté. Tout au long de ces dernières années, Charlène de Monaco s'est consacrée à diverses causes. Comme, par exemple, les droits des enfants, la lutte contre le sida et la chasse aux rhinocéros. En ce moment, l'épouse du prince Albert attend de reprendre ses fonctions publiques. À plusieurs reprises, elle a précisé que sa santé est sa priorité absolue, après avoir été hospitalisée en Afrique du Sud.